Nous n'avons pas encore parlé ce matin, simplement évoqué tout à l'heure, et notamment Jean-Paul II dans son discours. C'est le dernier jour de la visite, dimanche prochain, ce sera à Reims, donc, pour le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Nous faisons mieux connaissance avec d'abord Clovis, ensuite la basilique Saint-Rémy de Reims. Geneviève Moll, Gérard Dalmaz. Le baptême de Clovis en 496, 98 ou 99, selon les sources. Saint-Rémy, l'évêque de Reims, Clotilde, sa femme, burgonde chrétienne. Ce baptême, c'est celui du long cheminement de roi Téléfranc qui voulut restaurer l'Empire romain d'Occident. Car Clovis, comme son père Childéric, dont on a retrouvé le tombeau rempli de guerriers et de chevaux à Tournai en Belgique en 1983, était d'abord un général romain, un barbare, serviteur de l'Empire. Sur le plan strictement historique, nous avons affaire à un homme qui d'une part est un chef de tribu et d'autre part un général romain qui dirige une province comme s'il était un fonctionnaire classique. Clotweg, c'est son nom barbare, né à Tournai en 466, devient roi des Francs alliés en 482. Il épouse une burgonde, Clotilde, qui le met en contact avec le monde chrétien. Et il guerroie. D'abord contre le roi Siagrius, à qui il enlève son royaume. Il installe sa capitale à Soissons, et c'est là que se situe l'épisode du vase, en fait un vase en bronze, appartenant à l'Église, à qui il le restitue. C'est un acte politique, parce que ça veut dire que, bien que païen, il respecte la hiérarchie catholique et il considère que les évêques sont des fonctionnaires de l'Empire romain défunt, au même titre que les fonctionnaires civils et les fonctionnaires militaires, puisque lui-même est un fonctionnaire civil et militaire, il est gouverneur. Gouverneur et de plus en plus roi des Francs, 10 ans plus tard, il se bat contre les Alamans à l'est du Rhin. À Tolbiac, la bataille est perdue. Il implore alors le dieu de Clotilde à qui il promet de se baptiser. Et le miracle a lieu. Son royaume s'agrandit encore d'une partie de l'Allemagne. Il attendra 7 ans, 7 ans de réflexion avant d'accepter le baptême ici, dans la cathédrale primitive de Saint-Rémy, probablement dans ce lieu où l'on vient de mettre à jour ce qui pourrait être un baptistère. Choix personnel qui entraîne un vrai bouleversement politique. Il est en quelque sorte fondateur de la laïcité. Et pour lui, les valeurs de la laïcité reposent sur le christianisme, c'est-à-dire la libre acceptation de l'autre. Ce royaume qui comporte encore des païens, il va l'agrandir à nouveau en battant les Visigoths à Vouillé en 507. Sur le chemin du retour, il s'arrête à Tours, sur le tombeau de Saint Martin, pour lequel lui aussi, il a une grande vénération. Une année plus tard, grâce à Sainte Geneviève, dit l'histoire, il installe sa capitale à Paris, où il meurt en 511. Clotilde lui survivra 33 ans, retirée auprès de Saint-Martin de Tours. C'est elle qui, des bords de la Loire, terminera l'heure de celui qui donnera le nom de Louis au roi de France. Alors, la...